pour les pendre. Talons sur la tempe, on est venu pour les pendre. Tous les jours, je fais les 100 pas. Quotidien rippé par minimum 5 pas. Normal qu'on déteste les pores. Talons sur la tempe, on est venu pour les pendre. Talons sur la tempe, on est venu pour les pendre. C'est les condés, je vois tous les jours, prêt à tempête. J'ai les... Salut tout le monde, c'est Squalor, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo pour vous montrer la nouvelle version du Terror Menu sur GTA 5 Online, sur GTA 5 normal, bref, en tout cas c'est bien sur GTA 5 PC, il y en a qui me demandent sur PS4 ça existe, non ça existe pas, mais toutes les vidéos qu'on voit sur PS4, GTA 5 PS4 c'est du fake, bref, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bientôt les 1500 abonnés, bon je pense que quand je sortirai cette vidéo on sera aux 1500, en tout cas ça fait vraiment super plaisir, go les 2000 abonnés, le Discord est dans la description, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche de notification, c'est très important, et bref on commence tout de suite. Une fois que vous avez téléchargé le mode menu qui est tout simplement en description, pour l'ouvrir déjà il faut avoir une erreur pareil, ça sera en description, c'est juste la compression de fichier, et voilà, on a désactivé tous vos antivirus, donc vous faites clic droit, gestion des agents, et là vous faites désactiver si vous êtes sur tout simplement sur Avast, sinon vous allez sur Windows Defender et vous allez dans les paramètres et vous le désactivez. Une fois que vous êtes sur votre bureau avec le dossier, vous l'ouvrez tout simplement. Là vous fermez ça, on s'en fout. Là vous allez mettre le mode menu sur le bureau tout simplement. Donc le mode menu Terror. Il ne faut pas le lancer avant le jeu, il faut le lancer après tout simplement. Donc là on va faire clic droit, c'est très important, exécuter en tant qu'administrateur. Là vous faites OK, c'est juste pour vous dire qu'il faut tout simplement pas ouvrir le launcher. Donc là une fois que le logiciel Terror est tout simplement ouvert, vous devrez faire install menu. Là on attend que ça se télécharge tout simplement. Donc là une fois tout simplement que le mode menu s'est installé, vous allez avoir ça à votre écran. Là vous faites OK. Donc là il nous dit tout simplement que c'est fini, il faut juste ouvrir GTA 5. Ça faut pas le fermer, là vous lancerez votre jeu et ça marchera. Moi c'est pas moi qui a présenté tout simplement le mode menu, c'est N4 car mon PC il lag trop, ça fait image par image quand je présente un mode menu, enfin quand je règle sur GTA, bref du coup c'est N4 qui l'a présenté. Donc vraiment merci à lui, sachez dans l'inscription, c'était Squalor et bonnes images. Allez.